Bon, allô? Chers téléspectateurs, bonsoir. La poétesse Natié Brié vous déclame votre émission littéraire, culturelle, musicale, tous azimuts, tous les deux vendredis dans le mois. La chanson en référence, la régie, s'il vous plaît. Donc, dites-nous un peu, Nogosona, quel est le style de chanson que Papa Wemba aimait souvent faire chanter et tout? Parce qu'il a changé un peu beaucoup de groupe pour créer son propre groupe. C'était quel style qu'il était plus Mais son style, franchement, c'est la rumba congolaise. Hein. Bon, il avait mélangé un peu la rumba avec un peu du rock, qu'ils appelaient rumba rock frontienne. Donc, voilà.
Bon, après, bon, quand il était avec Peter Gabriel, il avait essayé de jouer aussi la world music, mais il est resté sur la rumba de Vieux Calais, de Franco, bon, voilà, la rumba congolaise. Mais on dit que c'est lui qui a fait ce qu'il faut faire l'homme de soi et pour le coup, et tout, parlez-nous un peu de tout ça. J'ai pas bien compris ta question. Il a fait à ce que Boloko et Koffi Olomide et d'autres stars soient. Hein? Donc j'ai lu la biographie à Weekly oui. Sur YouTube, hein, sur Internet. Donc vous pouvez nous dire un peu les gens à qui il a eu à chanter qui sont devenus célèbres. Moi, ce que je sais, que Wemba. Il était le doyen, tu vois, le doyen de tous ces musiciens-là, parce que bon, il était plus vieux, quoi, d'âge. Mais à Zaïko Langalanga, dans les années 60, parce que Zaïko Langalanga a été fondé en 1969. Bon, Wemba, il fut le cofondateur. Il y a Nyoka Longo, il y a Evoloko, il y avait Mbuta Mashakal aussi, hein. Voilà. Mais après, de 69 jusqu'à 74, ils étaient partis former un autre groupe qui s'appelait Il suffit le coller. Ouais, avec Mavoué là. Et... Non, Mbuta Mashakal était resté dans Zaïko. Hein. Ah, mais là, ils ont parlé de Mbuta Mashakal. Non, Mbuta Mashakal, c'est Zaïko. D'accord. Zaïko, parce que Mbuta Mashakal, il est l'un des cofondateurs aussi de Zaïko. Mais lui, il était chanteur pop. À l'époque, ah. Avant qu'il devienne chanteur de la rumba. Ouais. Mais dites-nous, nous recevons, il est mort à Abidjan. C'est vraiment en plus sur scène. Parlez-nous un peu. C'est sur quelle chanson qu'il est mort, Papa Emba? Ah, mais sur une chanson de son album que je ne me rappelle plus, hein, mais comme tout le monde. Bon, parce que moi, je ne peux pas parler bon, de moi qu'il est mort dans, sur quelle chanson. Voilà. Mais, vous parlez ce que vous connaissez. Quoi. Mais ouais, mais. Et on le voyait souvent à Paris. Parlez-nous un peu de sa vie à Paris. Oui. Il a eu à participer. En plus, il est sapeur. Hein, c'est quel style qu'il fait? Est-ce qu'il fait un style japonais? Est-ce qu'il fait... Parlez-nous un peu de tout ça. Non, parce que tu sais, Papa Wemba, lui, c'est un gentleman playboy comme moi. Il a tous les styles. Bon, il n'a pas un style donné que cravate, pochette, tout ça. Non, il est comme moi. C'est un gentleman. Donc, gentleman playboy, il porte tout. Donc, il peut être en Japan, en Europe, en Européen, en Saoudien, en Africain, aussi l'Indien, tout ça. Donc, tu vois, c'est ça qu'on appelle un gentleman. C'est pas un sapeur vraiment déterminé, comment la cibler. Comme les autres, bon, ils portent que des costumes, cravates avec des pochettes. Non, non, non. Lui, il est au-delà il est, de ça. Il est tout, quoi. Ouais, comme moi. Vous connaissez un peu ses principes, qu'est-ce qu'il aimait, qu'est-ce qu'il aimait pas, non? C'est un peu difficile. Et vous allez nous parler un peu de sa femme aussi, Amazon. Parce que c'est une femme qui est vraiment beaucoup connue. Oui, vraiment, la vie... vous connaissez quand même. Oui, bon, la vie privée des autres, il faut la respecter. Hein. Bon, je peux que parler, bon... Bon, Papa Wemba, bon, il avait connu sa femme quand il avait 20 ans et puis sa femme avait 14 ans. C'est ça que je sais. Bon, après, bon, ils ont eu des enfants. Bon, ils ont fait leur mariage il n'y a pas longtemps. Bon, ils ont été aussi reçus par le pape. Oui, le pape, comment il s'appelle, François. Ouais. Bon, voilà quoi. Bon, leur vie privée, bon. Je ne peux pas rentrer là-dedans. Vous connaissez à peu près combien d'albums qu'il a eu à faire? D'après les médias, Papa Wemba, il a fait 40 albums. D'après les médias, 40 albums. Ouais, 40 albums. Depuis le commencement de sa carrière, hein, 40 albums. Et vous avez un peu le programme d'Abidjan, comment ça s'est passé à Abidjan? Vous avez un peu des recherches? Non, non, non. Là vraiment, bon, aucune idée. Mais à Kinshasa, comment ça se passera l'enterrement? Plus là, actuellement qu'on parle, il n'est pas encore enterré. À Kinshasa, bon, c'est le gouvernement qui a pris la charge à 100%. Hein. Bon, comme c'est une grande star,
congolaise, africaine, mondiale. C'est le gouvernement de la République démocratique du Congo qui a pris la charge, quoi. Ouais, c'est ça. Alors, très chers téléspectateurs, la poétesse Satie Bouye vous déclame votre émission littéraire, culturelle, musicale, tous azimuts, tous les deux samedis dans le mois, de 18h à 20h en direct de 3W.IT Media Télé sur Clin d'œil Télévision. Nous sommes en direct et là, je suis avec le Nokosona, le GPS. Nokosona et Kembe GPS. C'est moi. Oui. Alors, nous allons écouter Yé Théo. Si je les anano molai, gomba mon côté et jali. Sauf qui on m'a dit, on m'a dit l'avenir.
evanda kama na ngombo kama kote na bomengo mwana poye babi mimi no akome kakoswa libela maman jamais akoswa mosa fina ye rosa toti kakobi swami tema bomengo base la base wateo les alaka jamais la honte de vous. Kosona Ekembe GPS l'immortel. Donc qui essaie de nous parler de Papa Emba. Donc j'avais aussi voulu inviter plusieurs personnes qui connaissaient Papa Emba. Peut-être que je le ferai dans une autre émission ensuite parce que j'aimerais avoir beaucoup de témoignages. Donc dites-nous un peu Nokosona. Vous savez la voix de Papa Emba, c'est une voix unique. Hein. Est-ce qu'il prenait un peu de la bière ou il pouvait que les gens. Bon, Papa Wemba, il imitait déjà la voix de sa maman. Bon, sa maman, elle était aussi chanteuse. Oui, donc voilà, c'est pour ça. Elle, oui, bien sûr. Papa Wemba imitait la voix de sa maman parce que c'est une voix aiguë. Mais c'est une voix unique. Hein? Ouais, spéciale. Ouais, parce, bon, de toute façon, chacun de nous a son timbre. Hein. Voilà, bon. Tous les musiciens, ils ont leur timbre taboulé. Bon, il avait aussi sa voix unique. Hein. Papa Wemba, sa voix unique. Hein. Le grand Calé, sa voix unique. Voilà. Donc, comme je le disais, Papa Wemba quittera le groupe en 1974 pour fonder le Sifi. Il suffit le collé avec, entre autres, Mavoila et Moutarma. Chacun d'eux, à ce que j'ai eu à lire. Et finalement fondé Vive à la musique en 1977. À la fin des années 1970, il est un représentant les plus célèbres du mouvement de la SAP. Il est le deuxième artiste congolais, le premier étant Taboulé Rochero, à signer avec un label musical international, Reed Ward, de Peter Gabriel, avec qui il publiera trois albums, Le Voyageur en 1992. Émotion 1995, Moloka 1998, en 1980. Il sort son premier succès parafricain Analengo en 1986. Il s'installe en France et débute le cinéma avec La Vie est belle. En 1989, il fait connaître aux États-Unis grâce à la revue Africa Oye. En 1999, deux de ses titres, Maria Valencia et Le Voyageur, sont choisis par le réalisateur italien Bernardo Bertolucci pour son film Paradiso et Infernal. Bon, on n'a pas pu lire toute sa biographie parce que c'est tellement beaucoup sur Google. Donc, lorsque on a dit, il était installé depuis quand à Paris, Papa Emba? Papa Wemba était installé à Paris dans les années 80, hein, je crois, ouais, dans les années 80, peut-être 1986, hein, par là. Hein. Mais oui. Il était à cheval entre la France et Kinshasa. Papa Wemba, la première fois quand il était venu en Europe, c'était avec Taboulé. Après, il est venu en 81 avec son groupe. On appelait ça Visa 80. Ils étaient venus en Europe pour la première fois vivre la musique. Bon, nous, on était présents. Bon, dans le mouvement, bon, moi aussi, j'ai participé en quoi? Bon, j'ai participé. Bon, c'est moi qui avait créé l'idéologie bien coiffée, bien habillée, bien parfumée et puis bien noilée. Et oui, c'est mon idéologie. À moi, peut-être parce que bon, il y a beaucoup de gens bon, qui ne savent pas, vaut mieux qu'ils savent d'aujourd'hui. J'avais déjà programmé ça depuis longtemps. Oui. Bien habillé, bien coiffé, bien parfumé, c'est mon idéologie. Il a chanté dans ses chansons. Il était comment Mobal et Yaya, Mobal et Yabama, tout ça. Là. Bien parfumé, bien noilé aussi. Beaucoup de succès. Beaucoup de succès. Non. Quelques de ces chansons que vous pouvez. Je peux chanter? Oui? Ah non, parce que je ne peux pas chanter. Bon, comme moi, je ne suis pas chanteur, je ne peux pas chanter. Moi,
tu peux me poser des questions oui sur les habits quoi c'est mieux. Bon, moi je connais pas trop mais vraiment j'aime beaucoup la musique hein. Ça a vraiment oui. Cartonné toutes ces musiques donc nous allons demander à la musique de nous mettre Kembo la septième chanson et nous avons Eric s'il veut venir s'il vous plaît Eric s'il veut venir. Moto a bolingo na kombo na yo Ezanga kakacha mote manangai Kasi jamais ekozi kisa un jour Kombo na yo Maria Rosa na Emily Susu Bibi Toke deli balama Malembe Malembe mama Kasi wazete mukarame Ataba figi toko tata weze Tuva natana beto mpiri Vula moke koko lise langa Yama kasi kebao Maria Rosa Eko boma Duda nabiso mko Rosa tala bango o komona Elongi ya bolingo na biso kongo Banaba boteli biso na koko Bango nge tala tala na biso Jili koko na mai Abata chulo na sona Mama Banaba boteli biso na koko Bango nge tala tala na biso Alors, je suis avec nos ressources de Kembe GPS. Alors, dites-moi, est-ce que vous connaissez un peu le jour de l'enterrement ou le programme de la veille? Non, vous ne savez pas encore. Mais d'après des informations, Papa Wemba va être enterré mercredi. Hein. Mercredi, c'est le combien? C'est pas le 3? Le 4, ouais, ouais, c'est ça. Le 4, mais. Ah, d'accord. Bon, aujourd'hui, nous sommes le 30. Je ne sais pas. Ça peut changer ou pas. Ouais, ouais, là, vraiment, je sais pas. Un peu d'où vient de la RDC, de quel village ou de quelle ethnie il était Papa ou maman, ce que je sais, il est de quel. Il est déjà de la région Kassai orientale. D'accord. Ouais, Kassai occidentale. Ouais, donc, de Kananga, que, de Kananga. Je pense que ma prochaine émission commence. Bon, de Kananga. Je lance l'appel à tous ceux qui connaissaient Papa Wemba. Oui. Vous venez nous parler un peu de son village, de sa ville natale, d'un peu de beaucoup de choses, quoi, mm-hmm. Hein, pour le complément. Oui. Parce que Nokosonga, il parle ce qu'il sait. Mais bien sûr, je ne peux pas inventer. Voilà, il ne peut pas inventer. Ah non, donc, ça voilà, c'est interdit. C'est vraiment, voilà. Donc, tous ceux qui me regardent, la potence a été brillée. Vous pouvez me contacter au 06 41 11 34 96 de l'international 00 33 1 33 1 41 11 34 96. L'émission se fait à Paris en France. Donc, voilà. Nous, que ça, on a parlé un peu d'autres artistes là. Vous nous avez parlé de Niarkos, c'est un petit chanteur de beaucoup de gens. Parlez-nous. Bien sûr, parce que tu sais, Niarkos, il est l'un des premiers.
il est aussi cofondateur de Viva la Musique, parce que même c'est lui qui avait donné même l'idée que Papa Wemba puisse fonder, créer son groupe à lui. Bien sûr, comme il est l'enfant de Matongé, bon, Nyakos aussi, bon, son quartier c'est près de Matongé. Donc, c'est lui qui avait conseillé à Papa Wemba de former son groupe. Au lieu d'aller dans le groupe des autres, tout ça là. Il dit, bon, tu es déjà âgé, bon, tu as déjà plus de 25 ans, vaut mieux que tu fasses ton propre groupe. Comme il voyait du ouais. Lui, Papa Wemba, bien sûr, il a fondé son groupe. Hein. Et puis, il y a Maxime Soki Vango, qui lui avait aidé aussi pour les instruments. Voilà, et puis bon. Les chansons, Kofi aussi, il a participé à ses débuts hein, pour les chansons, beaucoup de chansons, Et Papa Wemba chanté, c'était le compositeur, c'était Kofi Olomide. Bon, oui, mais oui, bon. Il a formé beaucoup de gens en plus. Mais bien sûr, au début, il y avait trois grands chanteurs de Vive la Musique. Bipolina Foulou, Jado le Cambodien. Ils sont devenus tous ces... Espérant Nachakara, mais l'autre il est mort, Espérant je crois, et lui il est mort. Bon, Bipoli il est toujours en France. Bon, Jado là, bon, j'ai pas de ces nouvelles. Il y avait d'autres personnes aussi qu'il a eu à faire la carrière musicale. Kester était venu après, Kester aussi. Kester, il est resté, je crois, fin 77 ou bien début 78 jusqu'à 82, hein, 81 ou 82, avant qu'il forme aussi son propre groupe Victoria Eloison. Il était dans le groupe de Papa Wemba aussi. Il y a Reddy, Estino, Marai, Fafa de Moloka, beaucoup des artistes. C'est pour cela qu'on l'appelait. Formateur des idoles, four idoles.